Il ne me semble pas qu'il y ait véritablement un glissement sémantique. Tout d'abord, je ne pense pas que le mot progrès ait été neutre à un moment donné. Ça vient du latin, progressus, donc une marche en avant. Mais effectivement, cette marche en avant, elle est généralement conçue comme positive. Alors, on peut effectivement citer quelques contre-exemples, mais ils sont relativement rares. Enfin, le progrès d'une maladie, c'est quelque chose qui est évidemment négatif, mais a priori, l'idée est quand même positive. En revanche, ce qui est, je pense, important et intéressant, c'est de distinguer, ce qu'on fait classiquement, entre le progrès phénomène, le progrès fait, en quelque sorte, qui prendrait un P minuscule, et l'idée de progrès, dans lequel progrès prendrait effectivement un P majuscule, qui est une idée bien particulière, qui est en fait une philosophie de l'histoire, impliquant l'idée d'une amélioration graduelle, nécessaire et illimitée de tout ce qui se rattache finalement à l'homme. Donc la vraie distinction, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut parler d'un glissement entre les deux? C'est pas forcément évident, même si effectivement les progrès, par exemple, de la technique ou des sciences au XVIIe siècle, ont été évidemment les matrices à partir desquelles a été pensée l'idée de progrès à la fin du XVIIe siècle, puis à partir desquelles cette idée de progrès a été systématisée, on va dire, au tout début du XVIIIe, puis relancée à la fin du XIXe siècle, avant de devenir la grande idée, le mythe, en quelque sorte, du XIXe siècle. Et voilà, il y a moins un glissement que des apparitions successives, en quelque sorte. Hein, et le mot progrès, par ailleurs, est un mot qui est, en fait, il me semble assez peu utilisé. Et l'idée de progrès elle-même, elle est conçue avant d'être verbalisée. C'est-à-dire que avant même qu'on appelle cette vision d'histoire idée de progrès, bien, notamment les modernes de l'époque de la querelle, on en reparlera tout à l'heure, je pense, vont décrire quelque chose qui s'y apparente. Petite précision liminaire, je ne pense pas qu'on s'accorde à le dire. C'est-à-dire que il y a justement un débat sur la question. À partir de quand naît cette idéologie ou cette idée de progrès? Effectivement, certains auteurs, certains universitaires, certains historiens estiment qu'elle apparaît à ce moment-là, mais d'autres, et on va dire que c'est le courant qui était longtemps prédominant, estimait qu'elle n'apparaissait grosso modo qu'un siècle plus tard, à l'époque de la Révolution française. Et cette question de date est évidemment une question fondamentale. Question fondamentale parce que si on estime, comme moi-même, que l'idée de progrès apparaît à ce moment-là, donc grosso modo à la fin du règne de Louis XIV, il y a un vrai problème avec les Lumières. Parce que les Lumières, au fond, ne sont pas dans la thématique du progrès. Ou en tout cas pas fondamentalement. Voltaire, sur cette question, est extrêmement évasif et très variable, comme souvent, finalement, il a une idée, puis il en change, enfin, il passe d'une idée à une autre. Parfois, il se moque de ceux qui ont une vision optimiste du monde et de l'histoire, Candide. D'autres fois, il se moque de ceux qui ont une vision pessimiste de l'histoire, confère sa correspondance avec Rousseau, par exemple. Mais voilà, Rousseau, par exemple, est tout à fait en dehors de la thématique du progrès. Et on peut dire ça, je pense, de la plupart des grands auteurs des Lumières. La thématique du progrès, elle réapparaît, on va dire, à la fin... Enfin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec Turgot, et ensuite elle se développe naturellement avec Condorcet, qui est véritablement de ce point de vue-là l'héritier de Turgot, qui va la systématiser dans son grand ouvrage posthume l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui paraît après sa mort, donc en 1794. Mais entre les deux, il y a un trou. Et donc,
c'est un phénomène idéologique très intéressant. C'est comment effectivement expliquer, d'un point de vue progressiste, que l'idée de progrès ait été imaginée à un moment donné, puis mise au rencard, par ceux que l'on considère un petit peu comme les grands philosophes, hein, ceux qui ont illuminé le monde, mais qui ne croyaient pas au progrès pour autant, avant de réapparaître. Voilà. Autrement dit, l'idée de progrès ne serait pas soumise finalement à sa propre loi, en quelque sorte. Elle ne serait pas soumise à une évolution linéaire de l'histoire que l'on suppose être précisément la caractéristique de l'histoire humaine. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait, je pense, tout à fait intéressant. L'autre élément, notamment chez les marxistes, c'est l'idée que, au fond, l'idée de progrès et les caractéristiques de l'émergence de la bourgeoisie, de la bourgeoisie dominante, qui coïncident grosso modo avec la Révolution française. Donc faire apparaître l'idée de progrès pratiquement un siècle avant la Révolution, ça brouille complètement les cartes. Comment ça se fait ? Comment ça se fait-il que cette idée que les marxistes considèrent comme typiquement typique de cette prédominance bourgeoise apparaisse en plein règne de Louis XIV ? Bref, il y a toute une série effectivement de questionnements idéologiques, historiographiques autour de cette datation, on va dire, de l'idée de progrès. Quoi qu'il en soit, moi, il me semble clair que cette idée de progrès dans ses éléments fondamentaux, autrement dit, voilà, une vision de l'histoire qui est une vision à la fois globale, intégratrice, qui concerne l'ensemble finalement des phénomènes humains, elle est très clairement présente, effectivement, dès la querelle des anciens et des modernes, autrement dit, dès ce débat qui a lieu notamment à l'Académie française, à partir de 1687, lorsque Charles Perrault, l'auteur des Contes de Perrault par ailleurs, explique que c'est nous qui sommes les véritables anciens, et c'est la raison pour laquelle, venant après eux, longtemps après eux, nous sommes forcément supérieurs à l'Antiquité et à tous ceux qui sont venus avant nous. Et à partir de cette pseudo-évidence, c'est nous qui sommes les anciens, donc nous sommes forcément plus âgés, plus cultivés, plus raisonnables, plus que les anciens. À partir de là, effectivement, tout se met en place. Et notamment, à côté de Perrault, il y a un autre académicien très important et très intéressant, qui est Fontenelle. Fontenelle, qui est un disciple de Descartes, et qui va devenir, on va dire, le patron de l'Académie des sciences, et on va dire pratiquement de la science française, pendant le demi-siècle qui vient, puisqu'il meurt centenaire au milieu du 18e. Et Fontenelle va être, après Perrault, celui qui va commencer à systématiser cette thématique du progrès de manière très claire. Et on a ainsi, effectivement, dans ces, on va dire, les deux générations, celle de la querelle des anciens et des modernes et celle qui suit immédiatement, et qui meurt aux alentours, on va dire, des années 1730, 1740, on a le moment, me semble-t-il, de la mise en place, véritablement, de cette idée, de cette future idéologie du progrès. De manière très générale, ce qu'on peut dire, c'est que de tout temps, voilà, c'est comme une dissertation de français de seconde et de première, depuis les temps les plus anciens, les anciens et les modernes se sont opposés, et à chaque époque, il y a effectivement les vieux et les jeunes qui disent, les vieux qui ont l'impression d'avoir raison, et les jeunes qui ont l'impression que les vieux sont des vieux cons qui n'ont rien compris. Mais la querelle des anciens et des modernes, c'est autre chose que ça, et c'est beaucoup plus important. C'est une querelle, un débat donc, qui va se manifester notamment sur un plan littéraire, mais pas seulement. Au même moment d'ailleurs en France et en Angleterre, dans les années, on va dire, dans les années 1600, à la fin des années 1680. Et notamment donc en France, ça se passe à l'Académie française, lorsque Charles Perrault donc prononce un discours qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand », dans lequel il explique que le siècle de Louis XIV
est supérieur à tous les siècles qui l'ont précédé. Et il explique que, qu'il est supérieur et que par conséquent, tout ce qui a été fait pendant ce siècle est supérieur à tout ce qu'on a fait auparavant. C'est un peu la première fois, du moins de manière aussi systématique, que l'on va notamment disqualifier l'Antiquité grecque et romaine en expliquant que, voilà, quelle que soit la valeur, quel que soit le génie des anciens, quelle que soit la valeur et le génie d'Homère, de Virgile, d'Ovide, etc., et ben, ils sont forcément inférieurs aux grands hommes de notre époque, aux grands hommes à l'époque donc du XVIIe siècle, tout simplement parce qu'ils sont venus avant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas bénéficié, au fond, du même trésor de raison, de connaissances que les hommes de notre époque. Et donc, à partir de là, et toujours dans ce fameux poème, le siècle de Louis le Grand, Charles Perrault explique que, grosso modo, Aristote est au niveau d'un professeur de collège de l'époque de Louis XIV. Que Homère, c'est sympa, mais que c'est vraiment extrêmement rustique et très barbare. Que Virgile ne vaut rien à côté des poètes élégiaques postérieurs, on va dire, à Corneille ou à Voiture, comme j'évoquais, ou à Boileau, que j'évoquais tout à l'heure. Bref, que tout ce qu'on a pu faire autrefois, même les choses géniales, ne sont nécessairement, pour de simples raisons historiques, ne sont que des choses relativement médiocres si on les compare objectivement à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que les génies de notre époque sont évidemment supérieurs aux génies des temps anciens, mais la conséquence, c'est également que les génies de l'avenir seront supérieurs aux génies de notre époque, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et très novateur, c'est que cette querelle des anciens et des modernes, elle existait déjà auparavant dans les sciences et dans les techniques. Sauf que dans les sciences et dans les techniques, il y a une certaine crédibilité dans cette affirmation. Il est clair que, en matière médicale, par exemple, ou en matière astronomique ou mathématique, les contemporains de Kepler et de Galilée sont supérieurs aux contemporains de Platon et de... Voilà. C'est une quasi-évidence. Il y a effectivement une amélioration en matière scientifique, en matière de sciences dures, on dirait aujourd'hui, et en matière de technique. La grande innovation, le grand changement, peut-être, de cette querelle des anciens et des modernes donc, qui se produit, comme je vous le disais, dans les années, à la fin des années 1680, c'est que on étend finalement cette thématique de la supériorité des modernes à des questions qui jusqu'alors y échappaient, notamment voilà, tout ce qui est les arts, les beaux-arts, la littérature, et à partir de là, on va en déduire que, au fond, cette supériorité des modernes sur les anciens, elle intéresse la totalité, la globalité de l'humain. Et pas seulement les connaissances mathématiques ou en physique ou en matière technique. L'influence de Descartes, elle est essentielle sur plusieurs plans. Essentielle par sa philosophie même, hein, notamment par ce qu'on appelle le mécanisme, autrement dit l'idée que l'univers n'est plus au fond quelque chose de mystérieux, dominé par des forces incertaines, par autrement dit la vision à la fois mystérieuse, tragique, inconnaissable que l'on avait depuis, grosso modo, l'Antiquité. L'univers devient
un ensemble simple dans lequel n'existe que l'étendue et le mouvement. Autrement dit, quelque chose qui s'apparente à une sorte de machine gigantesque. Une machine gigantesque, autrement dit, quelque chose qui a été créé, mais quelque chose qui est également, effectivement, comme vous le dites, mesurable, connaissable et transformable. Et ce sont tous ces éléments qui sont évidemment fondamentaux dans la perspective, dans la construction de la thématique du progrès. Dans mon ouvrage sur l'invention du progrès, j'essaie de montrer notamment l'importance de certains artefacts de l'époque, comme l'horloge, et le fait que, au fond, l'univers est assimilable à une horloge, avec la dimension de mesure du temps qui est évidemment très importante. Une horloge, autrement dit, je répète, quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser, qu'on peut éventuellement régler et qu'on peut naturellement améliorer indéfiniment. Parce que à cette vision mécaniste s'ajoute le fait que, à partir du début du 7e siècle, on a un phénomène qui est très intéressant, c'est un progrès, un factuel, là pour le coup, des techniques. Les techniques s'améliorent de manière non plus très limitée et invisible comme c'était le cas auparavant, mais de manière très nette, très visible. Il y a par exemple Perrault, dans un manuscrit qui n'a pas été édité, qui est à la bibliothèque Sainte-Geneviève, raconte que il a vu, entre son enfance et son grand âge, on va dire, les choses évoluer de manière visible. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est une expérience concrète, hein, vécue en quelque sorte, que nous, hommes du 21e siècle, croyons être les seuls à avoir fait, mais que les hommes du 17e siècle ont fait également. Et c'est à partir de là qu'ils vont justement imaginer, prendre conscience de cette transformation des choses et essayer d'en faire un système général de l'histoire. Et donc, pour ça, Descartes est évidemment quelqu'un de fondamental, parce que si d'un côté, effectivement, on conçoit désormais l'univers comme une machine connaissable, mesurable et transformable, et que d'autre part, on constate que les techniques, finalement, ce que fait l'homme, s'améliore au cours du temps, on en déduit facilement que voilà, c'est un système qui doit qui peut être généralisé et qui permet finalement de promouvoir cette philosophie globale de l'histoire. En outre, il y a l'idée que voilà, Descartes arrive à un moment de l'histoire. Il n'y a pas de Descartes avant. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Descartes avant ? Parce que on progresse et Descartes lui-même, Descartes en tant que grand homme, en quelque sorte, la figure du grand homme est l'une des figures qui s'impose à l'époque, notamment pour expliquer l'amélioration des choses. Descartes en tant que grand homme apparaît et suscite toute une réflexion avec, par exemple, il y a des écrits à l'époque sur, on imagine ce que serait un Descartes sauvage, un Descartes dans un monde qui n'aurait pas progressé. Et on explique qu'au fond, bah, il n'aurait pas fait grand-chose. Mais il arrive à ce moment-là, et dans ce cadre-là, il est à la fois, on va dire, le témoin, la manifestation et l'acteur du progrès. Comme on l'a vu, l'idée de progrès, c'est fondamentalement une conception de l'histoire. Et si on reprend l'ensemble des conceptions existantes, concevables, il y en a trois, grosso modo. Hein, l'une que vous avez appelée traditionaliste, mais qu'on pourrait plutôt appeler traditionnelle, si je puis dire, hein, ou presque habituelle, ou presque courante, hein, qui est l'idée que, au fond, les choses ne changent pas beaucoup. Ou évolue à la marge, ou voilà, l'idée selon laquelle il y a des hauts et des bas,
Alors, ça peut effectivement être conçu sous la forme du cycle, ça peut être conçu sous la forme d'ondulation, ça peut être conçu sous la forme d'une théorie des grands siècles, qui est très à la mode naturellement à l'époque de Louis XIV, parce que c'est... voilà, on sent que c'est un siècle exceptionnel, mais pour autant, ça ne démontre pas que le siècle suivant sera aussi bon et que les choses continueront de la sorte. Ça, c'est la première approche, l'approche, on va dire, neutre, effectivement, qui, au fond, enfin, que l'on retrouve aussi bien chez Aristote que chez Ibn Khaldoun, ou chez Machiavel, et qui se fonde au fond sur l'expérience humaine, l'expérience de la naissance, de la croissance, du déclin et de la mort, l'expérience humaine et l'expérience générale de l'ensemble de la nature, on va dire. Hein, voilà. Tout commence, tout se développe et tout décline avant de disparaître, puis éventuellement de renaître. D'où le côté, je dirais presque naturel, effectivement, de cette approche des choses. Et en face de ça, on a deux approches qui sont, on va dire, plus linéaires. Une approche décliniste, comme vous l'avez dit, les théories de la décadence, et une approche progressiste, dans laquelle la flèche n'est pas dirigée vers le bas, mais vers le haut. Mais avec, effectivement, dans les deux cas, un caractère linéaire, hein, contrairement à l'approche, on va dire, cyclique, pour faire rapide. Je pense que si les théories cycliques, pour faire vite, sont très courantes, les théories de la décadence sont extrêmement marginales. Alors évidemment, certaines nous sont familières, parce que, voilà, on a vu Cioran, on connaît Evola, ou certains penseurs traditionnalistes, etc., qui peuvent éventuellement aller dans ce sens-là, mais qui sont des auteurs modernes, qui finalement souvent ont voulu prendre le contre-pied, on va dire, de l'idée de progrès. Mais, de manière générale, notamment en Occident, il me semble que ces théories sont quand même extrêmement rares. Hein, il est peu courant de les trouver. L'idée de progrès, donc, va, me semble-t-il, au fond, utiliser ces théories de la décadence comme une espèce de faire-valoir, notamment au XVIIe siècle, hein, en expliquant que les anciens sont finalement des théoriciens de la décadence, alors que c'est pas vrai, ils sont des théoriciens beaucoup plus vont beaucoup plus dans le sens d'une approche cyclique, que les anciens donc, seraient des théoriciens de la décadence, que par conséquent ils n'ont rien compris, que ce sont des ânes bâtés, et que par conséquent c'est leur vision à eux qui est la seule vision pertinente. Mais c'est un exemple qui est assez intéressant d'utilisation d'une espèce de théorie qui n'existe pas pour faire valoir son propre système et pour démontrer que toutes les choses doivent s'améliorer nécessairement à mesure que le temps passe, comme le démontre à contrario la stupidité de ceux qui disent le contraire et qui prétendent qu'on était plus intelligent à l'époque du Moyen-Âge et encore plus intelligent à l'époque des invasions barbares et encore plus intelligent à l'époque des hommes des cavernes. Oui, alors rapidement, puisqu'on a déjà parlé auparavant, il est clair que une idée ne naît pas sans raison. Hein. Pourquoi est-ce que l'idée de progrès apparaît justement en cette fin du XVIIe siècle? C'est parce qu'il y a toute une série d'éléments, de mutations, de transformations, notamment intellectuelles, mais pas seulement, qui vont se combiner et qui vont finalement conduire certains penseurs à, au fond, imaginer, puis à systématiser cette thématique du progrès. Parmi ces événements qui vont amener à la naissance de l'idée de progrès, il y a par exemple
la mutation, les mutations religieuses, notamment les transformations du catholicisme, et le développement, on va dire, d'une espèce de... ou la généralisation d'une sorte de déisme rationaliste que certains auteurs ont appelé une religion bourgeoise. Autrement dit, une religion qui peu à peu se rationalise et se détache de sa dimension tragique, on va dire. De même, il y a un phénomène politique, hein, cette espèce de supériorité manifeste du siècle 2014 qui inspire, aussi curieux que ça puisse paraître, certains des progressistes les plus, enfin des premiers théoriciens du progrès. Charles Perrault, dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, est un admirateur frénétique de la monarchie et notamment Louis XIV. Et c'est sur cette base, notamment, qu'il va construire justement sa vision de la supériorité des modernes sur les anciens. Il y a d'autres causes, mais parmi les causes importantes, il y a très clairement, effectivement, ce qu'on appelait la révolution scientifique et technique de la fin du XVIe siècle et surtout du début du XVIIe siècle, avec effectivement Descartes n'étant que l'un des auteurs en pointe en la matière, avec une façon nouvelle de concevoir le cosmos, de concevoir l'homme à l'intérieur de ce cosmos, de concevoir l'homme à l'intérieur de lui-même, hein, c'est l'époque par exemple où Harvey en Angleterre découvre la circulation du sang. Bref, il y a très clairement toute une série de progrès scientifiques d'une part incontestables, hein, d'amélioration de la connaissance et par ailleurs d'amélioration d'ordre technique qui font que le sentiment général fait que voilà, la tendance générale est favorable à la conception, à l'émergence de cette thématique du progrès qui va se cristalliser, donc, me semble-t-il, dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Ce qui est fondamental dans l'idée de progrès telle qu'elle se met en place donc, entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, c'est que l'homme est le sujet fondamental. Il est le sujet de l'histoire. C'est au fond, lui, et c'est comme ça qu'on va le concevoir de plus en plus vers la fin de cette période, et c'est comme ça qu'on le concevra ensuite dans la grande thématique du progrès qui sera le mythe des temps futurs, c'est l'homme qui est véritablement l'acteur de cette histoire et l'auteur des progrès. C'est l'homme qui améliore les choses, c'est lui qui découvre des faits nouveaux, qui améliore les sciences, c'est lui qui améliore les techniques, et c'est lui qui, en améliorant son environnement, s'améliore lui-même. C'est-à-dire, l'homme, nous disent les progressistes, et les choses sont très très claires, notamment chez Descartes, chez Fontenelle par exemple, l'homme, à mesure que le temps passe, à mesure qu'il agit sur la nature et sur lui-même, l'homme s'améliore, l'homme devient de plus en plus sachant, de plus en plus rationnel, de plus en plus moral, de plus en plus vertueux et de plus en plus heureux. Donc on a cette espèce d'avancée progressive et une avancée qui surtout est conçue par les progressistes, par Pascal déjà effectivement dans un petit texte qui s'appelle la préface au traité du vide, qui est un des, on va dire, des prodromes de la pensée progressiste, puis par Fontenelle, puis par un auteur qui est un petit peu oublié, en tout cas de ce point de vue-là, mais qui a un rôle très important, qui est l'abbé de Saint-Pierre, l'homme, effectivement, est conçu comme devant s'améliorer de manière nécessaire, c'est l'un des éléments fondamentaux, évidemment, de cette thématique du progrès, et de manière illimitée. C'est ça qui est fascinant, si vous voulez. Les progressistes reprennent notamment l'idée que l'humanité et l'homme finalement seraient comme un individu, mais un individu qui est né, qui se développe et qui ne mourra jamais.
Et Fontenelle notamment, puis l'abbé de Saint-Pierre, explique que cet homme que nous voyons encore avec une taille limitée, cette humanité naissante, eh bien, elle va prendre une taille gigantesque. Et en ce sens, le fameux mot de la Bible, la promesse du serpent de la Genèse, qui dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux si vous mangez du fruit de l'arbre du bien et du mal, cette promesse de la Genèse, c'est la promesse que se font les progressistes. C'est-à-dire que l'homme est amené à croître en permanence, de manière illimitée, et il va un jour devenir non seulement comme les dieux, mais un dieu lui-même. Et là, j'extrapole un petit peu, mais lorsque Hitler explique à Hermann Rauschning que, au fond, dans la vision nazie, la perspective, c'est la naissance d'un homme divin, autrement dit, d'un homme qui sera Dieu, qui remplacera Dieu, qui va se substituer à lui, dans ce Reich de 1000 ans qui, en fait, endurera 3000 ou 5000 ou 10 000, comme nous disent d'ailleurs certains théoriciens du nazisme à l'époque, ben on est tout à fait dans le prolongement, dans la logique de cette vision-là. L'abbé de Saint-Pierre explique dans un de ses ouvrages que on a quitté, alors il reprend la fameuse théorie des âges, la fameuse théorie antique des âges, qui commence par l'âge de fer, puis par l'âge d'airain, puis par l'âge d'argent, puis par l'âge d'or. Alors, dans la vision antique, explique l'abbé de Saint-Pierre, et d'autres d'ailleurs à cette époque-là, comme on n'y connaissait rien, on a inversé les choses. On a cru que l'âge d'or était l'âge initial, puis l'âge d'argent, puis l'âge de bronze, puis l'âge de fer. Alors qu'en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Et c'est ce que les progressistes peuvent savoir maintenant, puisqu'ils sont venus après, et donc ils ont une meilleure connaissance de l'histoire et de la réalité des choses. Et donc, Fontenelle ou l'abbé de Saint-Pierre nous explique que l'âge de fer, c'est l'âge initial, le tout début, puis on est arrivé à l'âge de bronze, puis à l'âge d'argent dans lequel on se trouve actuellement, nous dit l'abbé de Saint-Pierre par exemple, et on va très bientôt, dit-il, entrer dans l'âge d'or. Tout d'abord, la France et les quelques pays les plus développés, puis l'Europe entière, puis le monde entier en quelques décennies, et cet âge d'or qui, à partir du moment où on y sera entré, ne changera plus, eh bien, cet âge d'or est une promesse d'absolu, une promesse qui que l'abbé de Saint-Pierre envisage, non pas à l'échelle de quelques décennies ou de quelques siècles, mais de plusieurs millénaires, et il explique que l'homme du futur, l'homme nouveau du futur, est un homme absolument inimaginable, un homme que nous ne pouvons pas concevoir, tellement il nous est supérieur. Et donc voilà, cet homme nouveau, même si effectivement le terme n'est pas forcément utilisé comme tel, mais cet homme du futur, cet homme du progrès, cet homme que reprendront absolument tous les grands systèmes totalitaires du XXe siècle, eh bien, il est clairement présent dès la fin du XVIIe siècle et dès le début du XVIIIe. Et, bref, tout est là dans l'idéologie du progrès pour voir naître et s'épanouir les systèmes les plus oppressifs que nous avons connus au XXe siècle. Et avec, évidemment, cette idée que l'homme nouveau du progrès n'a rien à voir avec le nouvel homme dont on nous parle dans l'Évangile et dans saint Paul, par exemple. Cet homme nouveau, notamment, est un homme qui n'a pas besoin de la grâce, qui n'a pas péché, qui s'améliorera infiniment au cours du temps, un homme qui est totalement autonome, une sorte d'utopie vivante, qui ne pourra que croître et s'embellir. On peut trouver
dans la Genèse, dans la Bible, dans les pères de l'Église, des éléments qui laissent entendre que, effectivement, cette appropriation est au fond la vocation de l'homme, que l'homme est fait pour dominer effectivement la création, pour en faire sa chose. Ceci dit, beaucoup plus qu'à la Genèse, je pense à Descartes. Hein, le slogan de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, me paraît infiniment plus pertinent pour expliquer ces appropriations, infiniment plus pertinent que, au fond, la vieille tradition novo-testamentaire ou patristique. Hein, les pères de l'Église du progrès, si j'ose dire, ce qui les intéresse, c'est le discours de la méthode, c'est pas saint Augustin. Par conséquent, on peut toujours trouver tout dans tout, et on peut aussi, pourquoi pas, évoquer d'autres sources anciennes ou antiques, mais fondamentalement, il est clair que c'est, on va dire, les premiers penseurs modernes, les penseurs de la modernité, et notamment autour de Descartes, hein, qui posent les bases de cette vision des choses et de cette idée selon laquelle voilà, la nature est absolument ouverte à l'homme, et l'homme non seulement peut, mais doit en faire ce qu'il veut, et doit s'en servir comme d'un pur instrument de sa propre amélioration, quitte d'ailleurs à la nier, quitte à la détruire, quitte à... et de ce point de vue, l'utopie qui, à mon sens, a vraiment partie liée avec l'idée de progrès, et qui me semble être même la pointe ultime de l'idéologie du progrès et de l'idéologie de la modernité, l'utopie est tout à fait caractéristique de ça. L'utopie, c'est au fond une vision urbanistique, hein, fondamentalement. C'est l'idée d'un arraisonnement de la nature à l'homme et à sa volonté, et éventuellement d'une destruction de la nature si besoin est. Il n'y a aucun respect à avoir de la nature, et dans l'utopie, les fleuves sont transformés en canaux, les forêts sont transformées en réserves de bois, et la vie est transformée en machine. Oui, il me semble effectivement que l'écologie est fondamentalement et foncièrement antiprogressiste, même si il y a eu évidemment quelques confusions, quelques couacs, de même que l'utopie était essentiellement antiprogressiste, anti-écologique, même s'il y a pu y avoir quelques utopies écologistes ou écologisantes, comme l'écotopia de Kallenbach, par exemple, ou autre. Mais voilà, malgré tout, la logique des choses, effectivement, si du moins on considère que l'écologie, c'est l'idée que la nature a une valeur en soi et qu'il faut la respecter, pas uniquement comme une sorte d'instrument ou d'outil à venir, mais parce qu'en soi, elle a une valeur. De ce point de vue-là, l'écologie me semble tout à fait aller à l'encontre de la thématique du progrès, qui par définition est une thématique de la réduction de la nature, de la dimension naturelle, au profit d'une dimension artificielle. L'idéologie du progrès est absolument fondamentalement et foncièrement une idéologie de l'artificialité. Une idéologie de la technique remettant en cause ce qui existe pour la transformer à la mesure et aux besoins de l'homme. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, l'écologie, effectivement, sauf à changer le sens des termes, là encore, mais l'écologie va tout à fait à l'encontre de cela. Alors, maintenant, je répète, il y a effectivement des confusions, et au fond, l'une des grandes surprises politiques du XXe siècle, c'est que l'écologie se dise de gauche, alors que fondamentalement, on sait bien que l'écologie est de droite, et que Charles Borras est un écologiste beaucoup plus conséquent que, sinon René Dumont, du moins Cécile Duflot. Voilà.
Alors, votre question est intéressante, même si je m'interroge un petit peu sur, sur la qualification du capitalisme comme idéologie. Est-ce que le capitalisme est une idéologie ou est-ce que c'est simplement une pratique économique ou, voilà. Autant effectivement, je pense que le progressisme est une idéologie, ou en tout cas une idée, autant le capitalisme me paraît beaucoup plus une... je veux dire, une conséquence pratique de certains choix idéologiques ou religieux ou autres, plutôt qu'une idéologie en soi. Est-ce que ça a partie liée avec le progressisme ? En un sens, oui, dans la mesure où effectivement la thématique du capitalisme se base sur une accumulation hein, de capitaux, et voilà, donc une vision. Mais... pour autant, il y a dans le capitalisme, et notamment dans ses origines peut-être calvinistes ou autres, une dimension pessimiste qui n'est pas forcément, qui fait pas forcément bon ménage, on va dire, avec, avec le progressisme. Le progressisme, en un sens, me semble-t-il, aurait plus facilement partie liée avec le socialisme, avec le communisme, avec certaines idéologies immédiatement totalitaires, effectivement. Notamment dans la mesure où voilà, le capitalisme semble, à certains égards, limiter le développement des richesses à certains groupes, certaines personnes, alors que le progressisme, dans sa vision globale, sur le long terme, implique finalement voilà, une espèce de l'idée que, une espèce de globalisation des choses, et l'idée que tout ira pour le mieux, pour tout le monde. L'idée du ultime, on va dire, du progressisme, c'est l'idée d'un peuple de Dieu. Pas seulement d'un groupe de Dieu qui dominerait des prolétaires asservis, etc. Voilà, par conséquent, je pense pas qu'il y ait de connexion nécessaire entre les deux, et je pense que les choses sont peut-être plus compliquées. De ce point de vue-là, je suis un petit peu en désaccord avec un ouvrage sur le progrès qui est très intéressant, qui a fait paraître un de mes très bons amis, Pierre Delacote, qui s'appelle L'Apocalypse du progrès, qui est sorti il y a quelques mois, dans lequel il évoquait un progressisme calviniste qui, moi, me semble discutable, on va dire. Voilà, donc sur ce point, je suis assez partagé en définitive. D'abord, je vous disais, parce que je pense qu'il n'y a pas d'idéologie capitaliste en tant que telle, et en plus parce que je pense que il y a une dimension pessimiste dans le capitalisme qui me semble aller un petit peu à rebours, on va dire, de l'irénisme progressiste et de cette vision totalement globalisante, hein, qui fait que, à terme, l'objectif et l'idée, c'est que tout le monde sera Dieu. Votre expression « l'idolâtrie du novum, du nouveau hein, » est tout à fait significative. Alors, est-ce que ça implique un rapport conflictuel au passé ? C'est même pas conflictuel, parce que pour le progressiste conséquent, il ne s'agit même pas d'un conflit, il s'agit d'une volonté de dépassement et d'une certitude que ce dépassement va se faire.
Lorsque Payon, effectivement, profère ou écrit ses âneries influentes, voilà, pour lui, les jeux sont faits, en quelque sorte. Hein, il suffit, finalement, de laisser les choses aller, de laisser le sens de l'histoire se réaliser, s'accomplir, pour que ces choses anciennes, ces chaînes de l'esclavage, pour reprendre le mot de Marat, que c'est que ces déterminismes s'estompent et disparaissent. Alors évidemment, les hommes vont mettre la main eux-mêmes à cela, mais en réalité, ça se fera tout seul. Et ce qui est amusant au fond, c'est que Payon, effectivement, prétend lutter contre ces déterminismes au nom d'un déterminisme. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'il y a de plus déterministe que l'idée de progrès ? Qui est précisément la certitude que les choses vont changer, et qu'elles vont changer dans un sens unique, le sens de l'amélioration, le sens de l'émancipation, le sens d'une libération totale. Nous savons bien, bien sûr, et malheureusement, ce que signifie cette libération totale. En réalité, elle va se traduire absolument toujours par un suraservissement. Mais voilà, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est ça, si vous voulez, c'est comment effectivement lutter contre des déterminismes au nom d'un autre déterminisme. C'est ce que fait Payon. Voilà, donc ce rapport conflictuel à l'histoire, c'est un rapport, au fond, c'est celui qu'évoquait déjà finalement dans son discours à l'Académie française Charles Perrault, lorsqu'il toisait avec mépris et condescendance les grands hommes du passé, en expliquant que ces grands hommes sont tout petits à côté des nôtres, et que Virgile est évidemment beaucoup moins important que Voiture, ou que... c'est l'attitude des progressistes. Maintenant, les conséquences concrètes de cette vision, effectivement, la thématique de l'émancipation à tout prix. Alors, vous évoquez la question du pédagogisme, c'est assez amusant. Là encore, on est dans des contradictions logiques. Hein. Comment s'émanciper ? Réponse, en suivant un maître qui va vous dire comment faire et qui va vous dire que penser. Parce qu'au fond, cette école libératrice, elle est tout aussi castratrice, tout aussi asservissante, tout aussi emprisonnante et étouffante que les pseudo-disciplines du passé. En définitive, voilà, on passe d'une discipline à une autre. La différence, c'est qu'effectivement, l'une était fondée sur la tradition, la nature, le rapport au réel, alors que l'autre part d'une perspective radicalement différente. La théorie du progrès est une vision de l'histoire, une vision globale, comme on l'a dit. Et par conséquent, elle implique l'homme dans sa totalité, et la totalité de l'homme, la totalité de l'humanité. Il n'y a aucune raison, effectivement, pour que certains segments de cette humanité, certains peuples, restent en arrière. Et par conséquent, voilà, c'est une idée absolument générale que... Je vous parlais tout à l'heure de l'abbé de Saint-Pierre. Hein, l'abbé de Saint-Pierre explique, hein, écrit dans les années 1720 que la France va bientôt entrer dans l'âge d'or, puis l'Europe et les autres puissances, puis le monde entier. Il n'y a aucune raison pour que certains groupes humains restent en dehors de ce progrès général. Le problème, évidemment, c'est que comme la réalité est un petit peu différente, comme toujours, et c'est naturellement le drame de l'idéologie de progrès, c'est que comme on constate rapidement que ça ne marche pas, eh bien on va forcer les autres à s'y plier, à s'y subordonner, et comme dans l'utopie, on va finalement aboutir à des choses qui sont évidemment totalement liberticides et totalitaires.
c'est cette thématique du progrès qui va effectivement justifier, par exemple, à l'époque de la Révolution française, l'impérialisme révolutionnaire, le messianisme révolutionnaire, qui va, par exemple, conduire les révolutionnaires du Directoire à envahir la Suisse, envahir la Lombardie, envahir Venise, envahir, etc., pour en faire des républiques soi-disant libérées, en réalité totalement asservies à la France, et totalement sous la coupe de la France, plutôt sous la coupe du Directoire. C'est cette même logique qui va conduire effectivement à l'épopée coloniale, dans ses mauvais aspects, hein, et avec l'idée que, au fond, voilà, nous sommes les héros du progrès, nous sommes en avant dans cette marche de l'histoire, et nous avons, là encore, c'est toujours lié, hein, à la fois le droit et le devoir d'y amener les autres. Si en plus on peut se faire un peu de beurre sur leur dos, si on peut s'enrichir, si on peut exploiter à blanc, si je puis dire, leurs ressources naturelles et leurs matières premières, bah c'est tant mieux. Mais on le fait avec une parfaite bonne conscience, un parfait consentement. L'idée, là encore, c'est celle de Payon, hein, celle de Ferdinand Buisson, de Jules Ferry. On va éduquer. Éduquer, améliorer les choses, faire en sorte que le progrès devienne une réalité pour tous ces groupes, pour tous ces peuples qui, jusqu'alors, n'y avaient pas accès. C'est selon cette même logique qu'on va, comme vous savez, éradiquer les patois et les langues régionales dans la France révolutionnaire, hein, sous la houlette de l'abbé Grégoire, ou que l'on va, sous la Troisième République, mettre au coin et coiffer de bonnet d'âne les petits élèves qui parlent breton ou provençal ou alsacien dans les classes où on ne doit parler que la langue de Paris. Bref, il y a toute une logique finalement extrêmement contraignante, extrêmement emprisonnante, qui est liée à cette thématique du progrès et à cette idée que, voilà, ceux qui sont en avant ont le devoir d'emmener les autres, d'où, évidemment, un impérialisme qui ne dit pas son nom, un colonialisme inéluctable, et le cas échéant, des dérives qui peuvent, là encore, nous amener directement vers les thématiques totalitaires. Ce que fait l'Union soviétique après 1917 est tout à fait dans cette perspective et relève parfaitement de cette même logique. Hein, on est exactement dans la logique progressiste lorsque l'Union soviétique asservit les peuples voisins ou lorsque, sur un autre plan, la Chine populaire s'installe au Tibet et que un Mélenchon, par exemple, applaudit des deux mains en expliquant que, certes, ça met un tout petit peu, ça va un petit, tout petit peu à l'encontre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais que, au fond, c'est tellement bien de voir les peuples s'émanciper. Oui, je pense qu'il est intéressant d'expliciter peut-être un petit peu cette connexion, hein, entre idée de progrès et totalitarisme. Au fond, le totalitarisme prétend gérer, régir la totalité du réel, la totalité de la vie des individus, et éventuellement utiliser la force, utiliser la violence pour imposer ce que le système en question considère comme l'idéal. Bien. Cette utilisation de la force, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'à la surveillance généralisée, jusqu'à la mort, jusqu'au génocide, elle se justifie en réalité parce que l'objectif visé est un objectif sublime. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque, dans une approche, on va dire, traditionnelle ou traditionaliste, comme vous le disiez, on a finalement une vision modérée et limitée de ce que l'homme peut accomplir. Lorsqu'on est convaincu qu'en définitive, la condition humaine ne change pas fondamentalement, que l'homme reste grosso modo à un niveau équivalent, et que par conséquent, il n'a aucune chance de devenir un dieu,
comme nous promettent les progressistes et les utopistes, la démarche totalitaire n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens et aucune légitimité. On ne peut pas, au nom de du maintien de cette médiocrité humaine, en quelque sorte, bienheureuse médiocrité d'ailleurs, on ne peut pas utiliser effectivement la force, le knout ou la chambre à gaz. Ça n'a aucun sens. Alors, il peut arriver évidemment qu'il y ait des débordements. Hein, je veux dire, l'histoire humaine est faite de bruit, de fureur et de villes passées au fil de l'épée par des conquérants violents et immoraux. Mais pour autant, ce n'est pas un système politique, ce n'est pas un système idéologique, ce n'est pas une construction intellectuelle. En revanche, je répète, lorsque on imagine que l'homme peut devenir un dieu, lorsqu'on imagine qu'il peut construire l'âge d'or, lorsqu'on imagine qu'il peut et qu'il va nécessairement réaliser le paradis sur terre, alors tout est permis pour défendre cela. Tout est permis pour accélérer la réalisation de ce paradis sur terre, et tout est permis naturellement pour éradiquer tout ce qui pourrait faire obstacle à cette réalisation progressive, à cette approche du paradis, on va dire. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que, d'abord, l'idée de progrès est en connexion avec la thématique de l'utopie, autrement dit l'idée de la construction possible d'un paradis terrestre, et que d'autre part, l'idée de progrès, autrement dit, l'idée que cette amélioration des choses, cette amélioration de l'homme, est à la fois nécessaire, inéluctable et illimitée, autrement dit, que l'on va nécessairement aboutir à cet homme-dieu, justifie tout cela. Voilà. Voilà, à mon sens, la connexion. Si, effectivement, l'idée de progrès n'impliquait pas cette nécessité et cette illimitation, le totalitarisme n'aurait pas forcément de connexion logique avec elle. Mais voilà, c'est parce que on nous promet cet absolu que, au nom de l'absolu, on peut tout faire. L'absolu légitime absolument tout. Et surtout, le pire. Francis Bacon, donc, qui écrit ses ouvrages essentiels donc, au tout début du XVIIe siècle, est l'un des grands prophètes de cette idéologie du progrès. Tous les progressistes en sont réclamés depuis les anciens de la querelle des anciens et des modernes jusqu'à Auguste Comte et naturellement les progressistes modernes. Et cette idée que on peut réformer la nature, on peut refaire la nature, et on renvoie ici à tout ce qu'on a pu dire auparavant sur l'artificialisme et sur l'anti-écologisme inné de l'idée de progrès, c'est quelque chose qui est caractéristique de cette pensée de Bacon, mais qui va avoir une influence considérable sur toute cette idéologie du progrès, c'est-à-dire que les progressistes ont toujours rêvé à cela, sans exception, et là encore, dès le règne de Louis XIV, on trouve des ouvrages, des textes qui nous expliquent que grâce à la pensée de Descartes, grâce à une saine gestion de l'alimentation, et par exemple, avec un système de remplacement des fluides perdus par des fluides nouveaux, on va pouvoir établir l'immortalité corporelle. C'est une espèce de grande mythologie qui a toujours eu partie liée, évidemment, à cette idéologie du progrès. De toute façon, on n'en sort pas. Toute la philosophie humaine, toute la réflexion humaine est quand même organisée autour de la thématique du rapport à la mort et à la vie. Donc, bien évidemment, les progressistes ont toujours été intéressés par cette dimension-là. Et dès cette époque-là, on trouve des auteurs, des progressistes ou des utopistes qui nous expliquent que
dans la cité de demain, dans la cité parfaite, ou dans l'âge d'or qui arrivera, on vivra beaucoup plus vieux, voire on ne mourra pas. Dans certains, il y a des textes notamment de la fin du XVIIe siècle qui racontent comment l'homme de demain se nourrira exclusivement de fruits, ne dormira presque plus et ne vieillira quasiment pas. Bref, le transhumanisme est déjà présent, si vous voulez, dans les ouvrages progressistes et utopistes de cette époque. Notamment la thématique de l'hermaphrodite est une thématique très présente et extrêmement intéressante évidemment chez ces auteurs. L'hermaphrodite, c'est celui qui réussit finalement à, avant la théorie du genre, à dépasser au fond justement la différence ultime qui est ou qui était la différence entre les sexes, qui est à la fois homme et femme, et qui par conséquent, grâce à cela, acquiert enfin, c'est le rêve là encore du progressiste ou de l'utopiste, qui acquiert l'autonomie absolue, qui est l'autonomie de la reproduction. Il n'a plus besoin d'autrui pour se reproduire. Bref, une liberté absolue qui est concentrée dans l'être même, dans l'homme lui-même. Et là encore, on pourrait réfléchir effectivement à cette... à cette thématique de l'hermaphroditisme dans la thématique du progrès, dans les utopies et dans les systèmes totalitaires, ou à l'heure actuelle, naturellement, dans la théorie du genre, ou dans les pratiques alternatives de la sexualité. Bref, il y a des choses qui sont extrêmement qui sont présentes dès le départ, dès la genèse, on va dire, de l'idée de progrès. Et depuis, ça n'a pas cessé, et vous parlez du transhumanisme, parmi, dans l'archéologie, on va dire, de ce transhumanisme, il y a des auteurs, par exemple, comme le romancier anglais Wells, H.G. Wells, qui va écrire de nombreux ouvrages où il est question, justement, de cette mutation de l'espèce humaine. Alors, la chose se combine en plus, à l'époque, de Wells, donc au début du XXe siècle, avec le darwinisme, qui lui aussi est un avateur du progressisme et potentiellement l'une des racines du transhumanisme, de même qu'il a été l'une des racines du nazisme. Tout se tient naturellement dans cette chose-là. Et Wells, donc pour revenir à lui, va écrire plusieurs ouvrages sur la question, notamment un ouvrage qui est un petit peu oublié mais qui est très très intéressant, qui s'appelle « Place aux géants », dans lequel il imagine une espèce de mutation de l'espèce humaine grâce à une nouvelle nourriture qui va faire apparaître une nouvelle espèce, les géants, qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents, qui vont peu à peu supplanter les anciens hommes, lesquels vont être peu à peu éradiqués. Or, au fond, dans le transhumanisme frais et joyeux que certains nous proposent, il y a aussi, en perspective et à terme, au fond, l'éradication, l'extermination de la race ancienne, la disparition, bref, une sorte de génocide absolu. Un génocide qui laisserait loin derrière lui tous les génocides du XXe siècle et qui s'apparenterait finalement au remplacement du Néandertal par l'Homo erectus en quelque sorte. Lorsque vous dites que la stratégie progressiste transcende le clivage gauche-droite, en fait, elle transcende un clivage qui oppose, on va dire, une droite parlementaire et une gauche parlementaire, mais qui ne correspondent pas, en réalité, à un clivage gauche-droite d'ordre idéologique, hein, qui se situe, à mon sens, ailleurs. Ailleurs, notamment justement dans cette opposition entre le progressisme et, on va dire, l'antiprogressisme ou le traditionalisme. C'est-à-dire, le vrai clivage gauche-droite, il n'est pas dans le clivage
tel qu'il apparaît à l'heure actuelle, entre, qui est si incertain et si, si misérable, entre effectivement la gauche parlementaire et la droite parlementaire, qui ont tellement de choses en commun que, au fond, à part des questions d'ego et quelques détails infimes, on ne peut pas les distinguer, que, effectivement, entre eux, ceux qui croient encore au progrès et à toutes ses conséquences, et à ceux qui ne croient plus au progrès, ou qui n'y ont jamais cru, autrement dit, qui ont une approche, on va dire, traditionnaliste des choses, dans laquelle on pourrait justement faire entrer, puisqu'on en parlait tout à l'heure, certains segments de l'écologie, certains partisans de la décroissance, etc., etc. Mais voilà, je crois que c'est fondamentalement, je pense que le clivage gauche-droite existe, toujours, et qu'il existera toujours, mais que ce clivage gauche-droite, il se situe finalement entre, on va dire, moderne et anti-moderne, entre progressiste et anti-progressiste. Et que il ne recoupe pas, plus du tout, aujourd'hui en tout cas, même s'il a pu recouper à d'autres époques, il ne recoupe plus du tout le clivage entre la gauche politique et la droite politique.